ce soir encore. À Illange, en Moselle, les opposants à l'usine Knauf ont remporté une bataille aujourd'hui. Le tribunal administratif de Strasbourg leur a donné gain de cause. Les modifications qui ont été apportées au plan du site ne sont pas conformes au permis de construire initial. Les détails avec Claire Schaffner et Guillaume Robin. Ils ne baissent pas la garde. Ces habitants d'Illange et ses environs s'opposent depuis plusieurs années à l'implantation de cette usine, un site de fabrication de laine de roche qui appartient au groupe Knauf. Les militants viennent d'obtenir une victoire auprès du tribunal administratif de Strasbourg. L'entreprise n'a pas respecté les plans de son permis de construire et doit se mettre en règle. Ce qui est très important maintenant, c'est que à partir du moment où on a démontré que Knauf était capable de tromperie, on se pose les questions de savoir si les mesures des polluants qui sont faites à la sortie des cheminées sont sincères. Un certain nombre d'informations que donne Knauf sont exactes. La liste des inquiétudes des riverains est longue. Déjà, tout ce qu'on respire, déjà que ça sent mauvais. La nuit, il y a des bruits pas possibles avec les camions qui veulent rentrer dans la mégazone avec leur charbon qui vient de Pologne. Et c'est infernal la nuit. Depuis son installation en 2019, l'entreprise a chamboulé le quotidien des habitants d'Illange. La maison de Daniel Sansalone est voisine de l'usine. Cette victoire devant le tribunal l'encourage à poursuivre son combat. Elle réclame plus d'informations sur la pollution provoquée par le site. On fait des demandes et on n'a rien. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on est soumis à une pollution. Donc nous ne savons pas aujourd'hui ce que nous respirons et quels seront les effets sur nos santé et sur nos environnements. Knauf a maintenant 2 mois pour faire appel de la décision du tribunal. Quoi qu'il arrive, l'association compte bien continuer ses actions. Elle a sollicité la préfecture pour créer une commission de suivi de sites.